Ah, le verdict du public. On s'incline devant le verdict du public. Journée de fromage, grand plateau, l'Auvergne. Eh bien, aujourd'hui, c'est la tartiflette à l'auvergnate que vous avez plébiscitée avec 68% des votes sur Internet et sur notre page Facebook. C'est normal, cette tartiflette est une adaptation de la tartiflette savoyarde avec du Saint-Nectaire. Vous avez très envie d'en connaître la recette. Et aujourd'hui, nous avons un grand chef pour cuisiner avec nous. Un grand chef, c'est Gonzague Saint-Brice, qui est venu aujourd'hui nous rejoindre en plateau. Bonjour Gonzague. Bonjour. Rappelle-moi, combien de fois as-tu déjà cuisiné dans ta vie? Eh bien, c'est la première fois. La première fois, c'est inédit. Et je suis très heureux que ça soit avec toi. Mais ça me fait très plaisir. Et d'apprendre tout d'un grand chef, car tu l'es aussi. C'est pour ça. Alors, je t'avais lancé deux défis la semaine dernière. Oui. Tu te rappelles, on était à Nantes ensemble. Le premier défi était de nous rejoindre ici, à Issoir, en remontant la Loire et l'Allier à la nage. Tu l'as fait, on a des images. Oui. Voilà, voilà, c'est Gonzague remontant de Nantes avec les saumons, hein, oui, sur le dos d'un saumon d'ailleurs. De très belles images qu'on aimerait voir plus souvent à la télévision. Voilà, merci. Le deuxième défi, effectivement, Gonzague, c'était à la fois de venir cuisiner avec moi, et c'est la première fois, comme il vient de vous le dire, et de nous parler de grands personnages célèbres auvergnats. Hein, c'est l'objet de ta venue ici. Nous en découvrirons un petit peu plus tout à l'heure. Mon cher Gonzague, oui. Je suis très heureux de cuisiner avec toi. Merci, et je vais Vincent. Te dire pourquoi, parce que c'est la première fois. Donc comme on est là pour montrer des petits trucs de cuisine à ceux qui n'ont pas obligatoirement les bons gestes, les bonnes habitudes. Mais cela dit, je m'étais dit... Gonzague, ça doit être quelqu'un qui cuisine parce que tu as sorti un nombre de livres assez important à quatre mains avec des grands chefs et notamment le livre Le goût de Stendhal. Hein, Stendhal était l'auteur préféré de mon père, Jean Ferniaud. Et donc, c'est vrai que la cuisine de Stendhal, tu l'as faite avec Guy Savoy, c'est ça ? Mais je me contentais de regarder les chefs comme je vais faire avec toi. Ouais, d'accord. En revanche, j'ai regardé dans le bouquin, il y a confit braisé, gratin de pantiron, champignon farci. Il n'y a pas la chartreuse au jambon de Parme. Non, pas encore. Parce que chartreuse, c'est une sorte de gâteau. On aurait pu faire une chartreuse au jambon de Parme. Hein. Alors, il y a un gâteau rouge et le noir. Hein. Ah, quand même, quand même. Mais Guy Savoy a énormément de talent. Je voudrais quand même dire à quel point, pour moi, le Saint-Nectaire, c'est le fromage roi. Ah, alors là, on voit que celui-là, il est très bon parce qu'il y a l'arrondi, tu vois. Oui. Il y a l'arrondi. Alors c'est le goût qui pousse derrière. Exactement, tu as raison. Et on sait que pourquoi le Saint-Nectaire est-il royal? C'est parce que les vaches consomment de la gentiane. Ah, voilà. Alors ça, c'est tout le goût. Alors, parlons cuisine. On va faire une tartiflette auvergnate. Alors, une tartiflette, c'est quoi? Normalement, ce sont des pommes de terre sur lesquelles on fait gratiner du reblochon. Hein. La tartiflette est un plat savoyard. Et là, je l'ai adapté. Oui. Et donc, ça s'appelle... Hein, je vais le refaire, ça s'appelle une truffade. Non, ça ne s'appelle pas une truffade. Si, des patates et du fromage en Auvergne, ça s'appelle une truffade. Non, parce que la truffade, tu l'as fait dans un chaudron. Et la tome qui est dans une poêle. Très peu goûteuse. La tome fraîche. Parce que la tome fraîche, elle n'a pas beaucoup de goût. Hein, c'est un peu comme de la mozzarella, elle n'est pas encore affinée. Eh bien, on va en mettre énormément et ça va fondre dedans. Tandis que là, c'est juste gratiné en surface. Hein, on va faire des pommes de terre à la crème et aux champignons. Alors, on aurait pu prendre des cèpes en saison. Là, on est un petit peu tard, du coup. Et puis avec ce redoux, peut-être qu'il va y avoir à nouveau des cèpes. Donc, on a pris des champignons de Paris. Voilà. Je te montre. Tu as épluché les pommes de terre. C'est déjà pas mal. Alors, je vais te montrer comment est-ce qu'on tranche les pommes de terre. On le tranche, tu vois, dans le sens de la longueur pour faire des belles tranches. Alors, je voulais te montrer. J'ai un petit objet qui va être bien utile, qui est un petit bouclier pour les doigts. Hein, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude d'émincer, ça permet de tenir, tu vois, et d'appuyer la lame du couteau sur ce bouclier pour éventuellement ne pas se trancher tout de suite les doigts. Je pense à ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Voilà, tu vois, ça permet de faire des grandes tranches. C'est pas mal. Et tu vois, là, Gonzague, il est malin parce qu'il filme et c'est toi qui coupes. Bah pour l'instant, il n'a pas encore cuisiné, c'est vrai. Je suis tellement altruiste, moi. On vous surveille, Gonzague. J'ai senti ta détresse, Gonzague. Mais bon, vous allez voir, d'ici à la fin de l'émission, je vais le faire cuisiner quand même. Vous exportez partout, alors. Mais c'est vrai qu'on a un savoir-faire pareil. Comme tu vas nous le montrer également, toi, avec tes pommes de terre. Oui, absolument. Hein. On attend À peindre les patates. Alors, attention, il y a du beurre fondu au bout du pinceau. Alors, je me suis dit, Gonzague, bon, la cuisine, c'est pas vraiment son truc. En revanche, il habite le Clos Lucé, qui fut la demeure de Léonard de Vinci. Le pinceau, ça te connaît. La pâte de Léonard de Vinci. Voilà, regardez.
Ça, c'est voilà, le Vinci de la patate, voilà, c'est Gonzague-Saint-Brice. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On met du beurre fondu pour une raison simple. On a mis nos rondelles de pommes de terre, nos lamelles, sur du papier sulfurisé. Pour qu'elles croustillent. Du papier cuisson, voilà. Pour qu'elles croustillent et qu'elles ne soient pas trop sèches. Normalement, une tartiflette se fait soit avec des patates cuites à la vapeur, hein, soit juste revenues à la poêle. Mais moi, je trouve que c'est un bon moyen de leur faire perdre leur eau et de les rendre un petit peu croustillantes, d'autant qu'on va mouiller avec de la crème de champignons derrière. Oui, mais justement, voilà. Pour les champignons, tu m'as montré comment les couper. Je vais te montrer là, ça. Alors, je mets la plaque au four. Maintenant que tu les as bien beurrées, on y mettra un petit peu de sel, bien entendu, mon Gonzague. Hop, voilà. Alors, les champignons. Allez. Alors, c'est Vincent, approche. J'ai une petite question. Je vois qu'ils ont été émincés. Est-ce que c'est Gonzague? Non, c'est Vincent qui a montré comment alors, le faire. Bah, tu l'as fait avec, tu l'as fait avec, une démonstration préliminaire. Je suis dénoncé par les femmes qui voient que je ne travaille pas. C'est extraordinaire. C'est moche, hein. Oui, oui. Tu seras toujours trahi par les femmes, toi, tu non, sais, non, Gonzague. Jamais. Alors, c'est notre champignon. Bah, je t'ai vu commencer à vouloir émincer ce champignon comme ça. Or, un champignon, par définition, c'est rond. Si on a une pomme à émincer, la même chose, une échalote, il faut toujours en cuisine chercher une base stable. Alors, sur le champignon, tu vois que ça ne tient pas. On va le couper en deux pour faire une base stable. Une fois qu'il est coupé en deux, il tient bien. Là, on risque pas de se... Tu vois, on peut y mettre simplement un doigt et tu peux émincer très facilement. Si on l'avait laissé sur son côté hémisphérique, eh ben tu risquais de t'attaquer les doigts. Voilà simplement comment on émince les champignons. Pour une pomme, c'est la même chose. Pour un oignon, c'est la même chose. Toujours une base stable. Donc, on cherche la ligne droite. Merci, hein, en quelque sorte. Vincent. Notre poêle est un petit peu chaude. Et pendant qu'on va faire revenir nos champignons avec du lard d'Auvergne, bien entendu, là, pour notre tartiflette, on va s'occuper un petit peu de Made in France. Ah bah, vous allez voir, avec Gonzague, on va se remettre dans la cuisine. Bien sûr. Dès la fin, à mon avis, on va avoir un rayon de soleil comme une gloire descendue du ciel pour marquer le Saint-Esprit de Gonzague sur la cuisine auvergnate. Voilà. Regarde, alors, je vais montrer que tu as bien travaillé quand même. Ah oui. Émincer l'échalote, hein, pour un premier cours de cuisine, c'est pas mal. Ouais, émincer les lardons, pas très fins d'ailleurs. Tu aimes bien qu'il y ait de la mâche. Voilà, c'est pour ça, c'est pour ça. Je vais te demander de les mettre dans l'huile chaude. D'accord. On a un petit peu d'huile d'olive. Voilà, tu pousses avec la lame du couteau ou avec la cuillère, comme tu veux. Voilà. On a donc. C'est rare, Vincent, de mélanger de l'échalote avec les lardons. C'est plutôt l'oignon d'habitude. Ben, pas obligatoirement. La grosse différence, Nathalie, c'est que l'oignon va devenir très doux et perdre son arôme à la cuisson, si tu veux, largement, alors que l'échalote va garder, alors à feu vif, hein, va garder quand même un côté plus fruité. Voilà, ça, ça va être le lit de nos champignons. Tu peux faire de même avec les champignons, s'il te plaît, Gonzague. Nathalie parlait de mélange, Vincent, mais en fait, vous êtes de vrais précurseurs, parce qu'avec cette tartiflette auvergnate, c'est une sorte de préfiguration de la grande région, en fait. Mais c'est la Savoie et l'Auvergne qui se rejoignent. C'est la réunion. Donc on est en train d'inventer un nouveau patrimoine culinaire. Pardon. Alors, mon cher Gonzague, pourquoi est-ce qu'on a mis le feu très vif? C'est très important. Parce que ce qu'on veut, c'est que les champignons se marquent un peu. Il y a toujours beaucoup d'eau, hein. C'est à plus de 80% d'eau, un champignon. Donc il faut qu'il rende son eau. Et plutôt qu'il baigne dans son eau, si on met le feu assez fort, elle va se vaporiser directement. Hein, au lieu d'exuder l'eau dans la poêle ou la sauteuse, l'eau va se vaporiser et donc il va se marquer, il va se colorer. Ça sent bon, plus, hein. C'est merveilleux de sniffer à histoire, c'est fantastique. Ah bah ouais, attends, bien sûr, surtout de l'échalote. Voilà. Hein. Alors ensuite, lorsque ça aura bien pris couleur, on y rajoutera un petit peu de crème qu'on mêlera aux pommes de terre qu'on a mis au four. Hein. On y mêlera de la crème et on y rajoutera un petit peu de persil, ça c'est pour, voilà. Juste pour donner un petit arôme supplémentaire aux champignons, on aura fait les trois quarts de notre tartiflette auvergnate à ce moment-là. Tu suis le coup quand même. Oui, alors il faut que je prépare le persil ou pas? Ah ben il faudrait que tu éminces le persil. Ah, à toi alors, de jouer. Tu sais quoi? Attention, hein. Attends. Jacques a besoin d'un très grand cuisinier pour la restauration dans l'association. Eh bien écoute, j'attends de goûter la recette et après non, parce je te dis. Si tu as besoin d'un très grand cuisinier, il faut peut-être demander à quelqu'un d'autre que Gonzague. Voilà. Non mais en revanche, un cuisinier qui démarre et qui a vraiment du cœur et de l'allant, là, hein, tu es là, Gonzague, sur le coup. Parce que je crois que tu as bien fait ton boulot tout de même. Non, pas du tout. Avec l'air de ne pas y toucher, écoute, tu t'es bien débrouillé. Regarde, nos pommes de terre qui ont cuit au four, elles sont bien cuites. Alors, attends, avant de mettre le Saint-Nectaire, parce qu'effectivement, regarde, on a gratté la croûte. Cette croûte grise, ça s'appelle le poil de chat.
c'est très bon. Hein. Je veux dire, quand on est habitué, quand on est auvergnat, ça fait peur à personne. Mais on a le droit de la gratter un petit peu lorsqu'on la fait cuire comme ça, parce que ça donne ce goût de cave qui est un peu prégnant. Donc on va la gratter. C'est hein. vrai que quand tu le dis comme ça, un goût de cave. Bah oui, non mais ça... c'est le goût de cave qu'on recherche aussi, Nathalie. Hein. C'est même ce qui illustre le Saint-Nectaire. Et parfois, le cave se rebiffe. Alors, regarde, mais tu as. Merci. Humour. Très, très joli, là. Là, là, pas pour le merci, coup. Merci, sinon, c'était encore un moment de solitude. Sauf que, évidemment, ils ont eu un petit temps d'arrêt, les élèves de 3e, parce que le cave sur bif, pour eux, c'est. C'est quand même. C'était il y a 30 ans, hein, voire 40 ans, même 50 ans, même 60 ans. Ouais, enfin bon, regardez, dans les années 60, en tout cas. Regardez nos petits champignons, Gonzague. Magnifique. Voilà, la crème a réduit avec les lardons, le persil et les échalotes. Super. Ça, on va le verser sur nos pommes d'accord. de terre. Ah, d'accord. C'est ce qui va faire notre fond de tartiflette. Oh là là. Voilà, voilà. Ça, c'est bien. Il ne reste plus qu'à le... Voilà, exactement. Voilà. Tu tapisses. Qu'est-ce qu'il est doué, tu et c'est là que tu es fort. Hein, c'est là que tu es fort. Voilà, tu tapisses bien. Mais t'as fait ça toute ta vie. T'as toujours tapissé à la cuillère. Voilà. Et ensuite, pendant le feuilleton, voilà, on va faire une marqueterie. Hein, une marqueterie. Une marqueterie de fromage. Tu démarres au bord, sinon voilà. Il va y avoir des trous. D'accord. Voilà. Et voilà, tu ranges tes lamelles de Saint-Nectaire sur le dessus. Il n'y aura plus qu'à les faire gratiner. C'est pas beau, ça ? C'est fantastique. Tu pourras dire... La marqueterie, ça me connaît. Tu pourras dire dans le tout Paris, tu pourras dire dans la France entière et dans le monde que tu as cuisiné une tartiflette. Avec Vincent. C'est magnifique. Ce plateau de fromage magnifique. Et je dois te rendre hommage, Gonzague. Une génuflexion devant cette tartiflette auvergnate de toute splendeur que tu as. Qui n'est dit qu'à toi. Ah non, mais... Et alors, on a le fameux aligo. Alors, l'aligo saucisse. Alors, l'aligo, c'est un peu le roi. Ah, hein, c'est Jérôme Roche. Bon, ça y est, je suis convaincu, moi, par ce nouveau plat, c'est bon. Hein. Laura, l'Auvergne-Rhône-Alpes, a son plat fétiche. Voilà, je viens de créer l'emblème gastronomique de la nouvelle région. La nouvelle région. Rhône-Alpes-Auvergne. Alors, regardez, c'est magnifique, hein. On l'a fait gratiner au four. Vous voulez savoir comment on l'a fait, cette recette? Ah, bah, bien sûr. On a fait des images, Gonzague. On a vu que tu as bossé comme un chef. Regardez les quelques images. Voilà, on a commencé par faire des lamelles de pommes de terre dans la longueur. On les a enduites d'un petit peu de beurre fondu, simplement pour qu'elles ne sèchent pas trop. Et moi, je les fais cuire au four pour qu'elles soient bien séchées, bien dorées. Et pendant cela, on a émincé nos petits champignons de Paris. On peut le faire avec des cèpes, hein, ça sera que plus auvergnat encore. Avec échalotes émincées, champignons, lardons de lard d'Auvergne, de lard absolument splendide, que l'on fait revenir. Il n'y aura plus après qu'à mouiller à la crème. Et puis, notre Saint-Nectaire a été légèrement gratté. On a fait des... Voilà, ça c'est la crème de champignons dont on va baigner nos pommes de terre. Regarde, Alors, il n'y a plus qu'à verser dessus. Ça nourrit la patate, tu comprends? Et une fois que la patate est nourrie... Et maintenant, la marqueterie de Saint-Nectaire, absolument, sur le dessus. Hein, parce que ça, c'est un boulot. Ça, c'est un métier. Attends, bien sûr. Parce que Philippe valide la marqueterie de Philippe. Tout à fait. Philippe, c'est vraiment ça. C'est en votre honneur. Exactement ça, je suis très flatté. Merci beaucoup. Ah, ben écoutez, c'est à ça. Alors, je vous demande de... Tu as goûté? Est-ce que tu as goûté? Nathalie est en train de distribuer derrière. Tu as goûté ton plat? Alors, Nathalie va faire ça. C'est un plateau de fromage. C'est Philippe Roche qui nous a amené ça. Il y a les 5 AOP. Le Saint-Nectaire fermier, cela va de soi. Bien entendu. Le bleu, la fourme, le Cantal. Et un Cantal plus jeune, ça va être un Cantal d'entre deux, et ça du Cantal jeune. J'en profite pour vous dire que dans l'émission de vendredi, en fin de semaine, on refera une spéciale fromage. Hein, parce que c'est difficile d'être en Auvergne sans parler de ces 5 AOP de toute beauté. Un plateau de fromage absolument sublime. Qu'est-ce que c'est ça, spécial fromage parce qu'il y a deux mots célèbres de l'histoire. Il y a le mot de Gaulle, un pays qui a 350 fromages ne peut pas être gouverné. Et le mot de Churchill, un pays, il parle de la France, qui a 350 fromages, ne peut pas être vaincu. Ah ben voilà. Eh bien, c'est l'Auvergne, c'est un peu le cœur de la France, l'âme de la France. Et ici, à Issoire, on est au milieu des classes de 3e qui, je peux vous dire, attendent la tartiflette avec la... ça commence à saliver sacrément derrière. Les amis, on est dans le fromage jusque-là et on y est bien. On est en Auvergne, ce pays généreux qui nous a apporté ses plus beaux produits. On se retrouve demain ici à Issoire pour un mercredi en toute beauté avec un petit peu de soleil qui est en train de poindre son nez. Je vous souhaite un bon appétit, vous mes amis, et à vous tous, du Nord au Midi.
en France. Ouais.